Mes internautes qui nous suivaient sur CNews.com, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Kémi Séba, que nous avons pu joindre depuis la Côte d'Ivoire où il se trouve actuellement, pour avoir sa réaction sur cette actualité à chaud qui concerne la réélection de Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Kémi Séba, bonjour. Bonjour à vous, chers frères, et bonjour à bien évidemment tous les habitués de CNews. Tout d'abord, la première question qui nous taraude, Monsieur Séba, vous avez pris énormément de risques en venant en Côte d'Ivoire, pays où vous êtes interdit de séjour, pays où la répression contre les opposants est peut-être même plus que terrible. Pourquoi prendre autant de risques? CNews. Écoutez, pour être très simple, on est dans une démarche aujourd'hui où on voit le drame se dérouler sous nos yeux. Le drame s'appelle Draman. Le drame s'appelle Draman qui agit depuis un certain nombre d'années pour les intérêts du néocolonialisme, qui agit pour les intérêts de la France, qui agit pour les intérêts étrangers, mais qui depuis très longtemps n'agit plus pour les intérêts des Ivoiriens. Alassane Draman Ouattara est un produit pur d'un point de vue politique et idéologique de l'oligarchie occidentale et il applique justement ces méthodologies occidentales de prédation occidentale sur le sol africain. La Côte d'Ivoire est le poumon aujourd'hui de la France-Afrique. Et si la Côte d'Ivoire était débarrassée politiquement, j'entends, quand je dis débarrassée, je parle de non-violence évidemment, mais était débarrassée de quelqu'un comme Draman Ouattara, il est évident que la situation en Afrique francophone changerait. Toutes les pressions, toutes les actions qui sont menées par Ouattara pour faire taire les logiques de souveraineté un peu partout dans l'Afrique prétendument dite francophone, c'est quelque chose qui est visible et palpable de tous. Donc quand vous constatez cette réalité, il est de mon devoir, quels que soient les risques à prendre, ça fait un bout de temps que je réfléchissais justement à cette situation. Il était de mon devoir d'être présent sur le territoire ivoirien, de prendre tous ces risques, tout en sachant que je sais très bien que si je me fais arrêter, c'est soit la torture, c'est soit la bastonnade, c'est soit l'incarcération, parce qu'on sait que les autorités ivoiriennes sont connues, sous Ouattara en tout cas, sont connues pour ça. Je pense que c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour que notre peuple puisse avancer. On était très conscients, bien évidemment, en arrivant, que quand on dit parasiter le processus électoral, on sait très bien que, étant donné que des opposants ne se présentaient pas à l'élection, il était sûr et certain que Ouattara serait élu dans une élection où il était seul face à un candidat fantoche. Voilà, ça c'est quelque chose que l'on savait. Maintenant, c'est les jours qui suivent, pour nous, qui sont les plus importants, à compter de maintenant, par rapport aux différentes rencontres politiques qu'on effectue pour que les choses puissent avancer. Voilà. Quelle est votre réaction à chaud suite à l'annonce par la CENI de la réélection de Alassane Draman Ouattara? Les scores de République bananière, parce que je pense que c'est le mot à employer, qui ont été rendus publics par la CENI, une CENI contrôlée de A à Z par les gens de Ouattara, ne pouvaient me surprendre. Et je veux dire qu'on est dans une démarche prospective par rapport à ça. Notre but était de parasiter le processus électoral, mais le processus électoral ne s'arrête pas à l'énonciation frauduleuse des résultats des élections. Comme diraient certains opposants que j'ai pu voir cette semaine, c'est les jours d'après qui comptent le plus. C'est les jours d'après qui comptent le plus, et non pas le jour d'avant, parce que cette pièce de théâtre faisait partie du scénario. Maintenant, ce qui compte, c'est la capacité de se mobiliser pacifiquement pour refuser l'injuste, pour refuser l'inique, pour refuser quelque part les velléités françaises. N'oublions pas que le président Draman Ouattara a été reçu par Macron, le même Macron qui vient chanter dans des pays comme le Liban comment la démocratie doit s'organiser. Ils se sont tus parce que la France sait qu'à travers Ouattara, ils ont un agent extraordinaire d'influence. Et donc c'est quelque chose qui va dans leur sens. Et nous, notre devoir, nous qui voulons la souveraineté, c'est de nous opposer à cette réalité. C'est ce à quoi nous sommes en train de travailler au quotidien. Donc c'est les jours d'après qui comptent et les jours d'après commencent aujourd'hui. Dans un pays où la loi est claire et que les mandats présidentiels sont limités à deux et que la personne qui est en tête de ce pays ne respecte pas cette loi-là, est-ce pour vous une incitation aux jeunes ou à ses autres concitoyens à ne pas respecter ces lois-là? Saint Augustin qui disait qu'à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Je prolongerai cette réflexion en disant que face à un régime injuste, nul n'est tenu d'obéir. Et donc, partant de ce principe-là, quand on voit la manière dont agit le régime Ouattara, qui ment, qui ne respecte pas la Constitution, qui ne respecte pas ses propos, qui ne respecte pas la loi, comment voulez-vous que les concitoyens eux-mêmes réagissent face à ça? Moi, la seule chose que je dis, j'appelle toujours sur ce terrain-là, parce que c'est important, entre Africains, on est dans la logique de l'Ubuntu, on est dans la logique de l'autre, c'est moi, dans cette logique de
une solidarité qui doit être présente quand même. Le sang a trop coulé entre les membres de nos peuples. Et ça, c'est quelque chose que je ne cesserai de dire. Mais maintenant, il y a une réalité, c'est qu'on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer par rapport à Ouattara. Et donc, il doit y avoir une résistance citoyenne qui s'organise. On travaille à pied d'œuvre sur ce terrain-là tous les jours avec différentes personnalités qui s'opposent au régime, différentes autres personnalités qui s'opposent au régime Ouattara en tant que tel. Et comme on l'a dit, c'est les jours d'après qui comptent. Et on est dans ces jours Quel d'après. est, Kémi Séba, votre avis sur cette opposition avant, pendant et après cette élection? D'ailleurs, on apprend même que la maison de Henri Colombidier a été encerclée, il serait même arrêté et que un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de tous les opposants, dont aujourd'hui vous faites partie. Quel est votre avis sur cette situation-là? Mettant, je pense qu'il serait profondément indécent de commencer à donner des bons points ou des mauvais points vis-à-vis des stratégies de l'opposition dans cette période d'intense répression. Donc vous ne me trouverez pas dans cette position. Ceci étant précisé, il est aussi important de condamner avec la plus grande force, la plus grande virulence, la stratégie de persécution émanant de Ouattara et visant toutes les personnes qui s'opposent à ce dernier, ce sans nuance. Arrêter un individu de 86 ans ou encercler son domicile, le domicile d'Henri Colombédier en cette période, est du domaine de l'inadmissible, de l'insupportable, de l'inacceptable. Je pense qu'on doit être capable de le dire. Et dire cela n'empêche en rien qu'on puisse préciser aussi et rappeler que je me suis opposé toute ma vie, que je m'opposerai toute ma vie au processus politique ou l'instrumentalisation politique de l'ivoirité que Henri Colombédier a utilisé pour stigmatiser une partie des Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas, moi je suis panafricain, je ne stigmatiserai jamais quelqu'un parce qu'un tel est xénophobe, un tel est malinké ou autre. Pour moi, ça c'est un crime contre la dignité africaine que de faire cela. Donc j'ai des désaccords politiques réels avec Henri Colombédier. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles vous ne me voyez pas alors que je parle avec un certain nombre de membres de l'opposition, mais vous ne me verrez pas, par exemple, au sein de la plateforme de l'opposition. Ça c'est clair et net. Je le dis avec simplicité. J'ai d'autres désaccords avec d'autres aussi, d'accord? Et j'ai des accords avec certains d'entre eux avec lesquels je peux échanger de temps à autre. Comme je parle avec des gens de la société civile qui sont viscéralement opposés à Ouattara, mais qui ne sont pas forcément dans la plateforme de l'opposition, disons-le là aussi. Mais je condamne avec la plus grande force cette démarche de persécution qui montre le côté malade du régime politique de Côte d'Ivoire, un côté malade réel, un côté malade inacceptable, un côté malade qui montre aussi que le régime Ouattara est plus proche de la fin, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ça aussi, c'est quelque chose qui est du domaine du concret, du réel, qu'on ne peut nier. Il est aussi important de dire, parce que j'ai entendu un certain nombre de gens, comment dirais-je, critiquer la stratégie de l'opposition, du boycott des élections, etc. Mais écoutez, le score d'Alassane Dramane Ouattara, digne d'une république du Gondwana, 95% quasiment, d'accord, montre le côté inique, le côté inepte, le côté stupide du régime et du processus électoral, parce que se présenter et faire ce score-là montre que le processus a été vicié, d'accord, et que un certain nombre de gens ne se sont même pas présentés, même quand ils disent 53% de taux de participation, on sait qu'on est dans de la mythomanie politique. Ça aussi, c'est un constat qu'on est obligé de faire, parce qu'il peut pas avoir toute la classe politique qui appelle au boycott de l'élection, sauf Dramane Ouattara, et qu'on nous dise qu'il y a un taux de participation de 53%. Il faut quand même pas prendre les gens pour des gorilles. Hein, on ne va pas répéter les mêmes stigmates que l'oligarchie occidentale fait vis-à-vis de nos populations. Donc Alassane Ouattara doit respecter les Africains et doit se respecter un minimum, même si je sais que le respect, c'est quelque chose qui a disparu depuis qu'il est rentré en politique. Bref. Le dernier point aussi qui est important, à mon sens, de rappeler, c'est que il y a une dichotomie en Afrique francophone. Dès lors que vous êtes contre le pouvoir, vous êtes du camp de l'opposition. Même si dans l'opposition, il peut y avoir des nuances en tant que telles, il peut y avoir des points communs, des divergences, des convergences, etc. Il faut qu'on soit précis. Nous, quand nous venons, quand je viens, parce que je suis venu seul, quand je viens en Côte d'Ivoire, je suis conscient que je vais être arrêté. Je suis conscient que j'aurais pu rester dans ma sérénité. Je suis conscient que je peux être incarcéré. Mais c'est le prix à payer si on veut que la souveraineté puisse être matérialisée. Nous sommes en Afrique francophone régis par un pays plus que d'autres, qui est dirigé par Alassane Dramane Ouattara, et ce Alassane Dramane Ouattara est le symbole du néocolonialisme français en Afrique à un degré qui dépasse l'entendement. Ça, on doit être capable de le dire. Et s'opposer à ce dernier, c'est permettre, je le fais de manière pacifique, parce que c'est ma ligne, s'opposer à ce dernier, c'est permettre que l'Afrique francophone puisse respirer de nouveau. Cela ne signifie pas que si Gone Coulibaly avait été vivant, je serais venu ici.
Parce que si Gon Koulibaly était vivant, j'aurais été dans une démarche de me dire, écoutez, c'est un représentant de la France-Afrique, c'est le fils d'un grand représentant de la France-Afrique, certes, mais fils spirituel et fils politique, mais c'est la démocratie qui doit s'exprimer. Il y a des gens au sein de notre peuple qui veulent de la France-Afrique. Il faut aussi qu'on soit capable de le dire. Et donc, on laisse la démocratie s'exprimer. Mais dès lors qu'on viole la Constitution, qu'on viole la parole politique donnée, qu'on avait dit qu'on ne se présentait pas et qu'on se présente à un troisième mandat, là, c'est quelque chose qui met la poudrière et qui met le feu partout. Et moi, mon but, justement, c'est d'éteindre le feu entre nous et de sortir les éléments, de faire stopper les éléments africains qui luttent pour les intérêts de l'oligarchie française. C'est notre obsession. C'est la mission politique que nous sommes lancés depuis un certain nombre de temps. Et nous y arriverons, quel que soit le prix à payer. Donc je le dis à toutes les personnes qui sont pour nous, qui sont avec nous, même de loin, où que vous soyez, si vous pouvez vous mobiliser, n'hésitez pas à le faire. Le combat s'accentue sur ce terrain-là plus que jamais. Est-ce que vous pensez que finalement ces résultats sont définitifs? Est-ce que vous pensez que cette population, elle est capable de contester? Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes dans cette opposition-là qui sont capables de mener une contre-offensive pour contester ces résultats-là? Est-ce que vous pensez que bah, finalement les cartes ou les dés sont déjà jetés en fait, finalement? Très clairement, et c'est la raison de ma présence d'ailleurs, non, ces résultats ne sont pas définitifs. Deux, la population est capable de contester. Elle a commencé déjà à le faire avant, pendant, et elle va le faire après. D'accord? Et je dis que l'après demeure la période la plus importante. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, Monsieur Seba. CNews.com vous remercie et nous rappelons que vous êtes actuellement en Côte d'Ivoire où nous avons pu vous joindre pour réaliser cette interview. Merci, Kémi Seba.